Deux, trois, quatre, on t'a appris en primaire à compter, à décompter, à prouver que t'es l'exemplaire parfait de l'humanité. On te l'a compté, raconté, on t'a rempli les yeux d'étoiles et puis on t'a abandonné. Bon, sous le firmament royal, c'est une monarchie. Il faut l'avoir dans le sang ou bien il faut donner sa vie à notre bon Dieu tout-puissant. Le père, la norme et ses alliés déchaînent les passions et toi et tes pensées. Sacrifice et lion, c'est quand les mots te manquent que tu commences à 1, 2, 3 à compter tes battements de cœur et les vêtements que t'as sur toi, tu penses à rien. À rien d'autre qu'à tes fantômes, pas plus loin que tes symptômes. Mais t'as jamais écrit autant, ça peut pas être mal. Moi je dis y'a rien de plus ennuyant que d'être une personne normale. Et puis si tes crises de panique étaient si graves que ça, tu y aurais déjà pris tes clics. Qui t'éclate, tu serais plus là. Van Gogh avale de la peinture. C'est tragique et c'est beau. Et peut-être que son futur valait plus que tous ces mots. A-t-il jamais peint son bonheur? Avait-il laissé ça au sien? A-t-il jamais connu la peur de n'être rien que ce qu'il peint, de n'être qu'un masque trompeur pour le trouble qu'il atteint? Moi qui ai encore quelques heures. J'espère que je ne regretterai rien.